Yo et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors épisode normalement 16. Je tends un peu les bras comme un gros triseau parce que j'ai un petit peu des courbatures dans les coudes, donc je tends un peu ça pour que ça aille mieux. Mais bref, rien de bien particulier, c'est juste ça le fait à tout le monde, hein. Sont des choses normales. Chose qui arrive. On va déjà parler directement à Kelly, voir s'il a d'autres choses à nous dire aussi. Outre les messages, on va dire si on a des messages. Messages non lus. Ouh là là! De lui, bien performant. Oh, ça sent la pluie. Ah, déjà, merci. De Leslie. J'appelle Leslie, j'étais sur elle. La nourriture m'a rendu malade, les médecins me soignent. L'un d'eux connaît Jacob, ce qui peut vous dire, il voulait l'écrire pour moi. C'est ce qu'il peut vous dire, il voulait l'écrire pour moi. Mais je veux le faire, je dois utiliser mes propres mots. Mes mots me reviennent, je peux bien exprimer, j'ai encore du mal à lire, mais je progresse. Il le faut, Tyler me voulait dans cet état affaibli. Il doit savoir qu'il a perdu, je ne suis pas faible. Il fait des choses et c'est fini. Je vais voler mes mots, il ne peut plus me changer. Parce que vous et Jacob l'avez arrêté, merci. Eh ben écoute, voilà, pas de soucis, thérapie. Hola Han, Shepard. Il peut être toujours en vie, j'ai échappé devant certains que vous envoyez ce message, j'ai été pas qu'un fils futile sans se faire progresser dans la thérapie. Il raconte beaucoup de choses. Toujours vivant, mais elle ne le sera plus jamais. J'ai entendu dire que vous avez tué Benedia. Oh mais écoute, j'avais pas le choix. Félicitations, j'espère que les informations que je vous ai fournies ont pu aller dans ce sens, j'aurai ainsi causé la mort d'une femme de plus. Et encore. Il faut que je vous remercie, les Rachnides vous auraient tout su si vous n'étiez pas arrivé. Vous auriez été différente. C'est plus juste. Pourquoi il a fallu qu'elle meure et que je sois épargné? Pourquoi ne vous pas arrivé quelques instants plus tôt? Parce que le truc que vous n'avez pas arrivé, je fais que c'est ce que je suis mort aussi. Peut-être l'ai-je en fait maintenu versant en temps pour lui laisser une chance de se sauver. Rachni aurait été déchiré ma combinaison et j'aurais pas de la vie de base sur le numéro 15. Ce qui est plus, c'est que cette horrible législation n'est qu'une épreuve à passer avant de me laisser mon mandat. C'est merveilleux. Si ce n'est pas le cas, je tiens quand même vous remercier. Ok, Walmart, c'est lequel? Bon, c'était un taré visiblement, mais lequel? Devenez plus performant de Morlan. Désolé mon... Oh putain. Oh. Et remarque, je vais même prendre des screenshots en fait, je vais expliquer pourquoi. Parce que il y avait des gens qui doutaient de ce que je disais par rapport aux Asari, vous voyez, et là on a une preuve. Parce que c'est de Morlan. Désolé mon beau, je vais devoir te quitter pour une Asari. Il faut dire que tu es loin d'être aussi bien équipé. Ah. Et bien écoutez les enfants, nous allons prendre une screen. Capture d'écran. Ah non merde, ça inclut le truc aussi. Ah! Avant qu'on la fasse avec le E comme ça, on va essayer un truc. Espérons que ça n'explose pas. C'est pas contre Shift E normalement. Bon, c'est pas grave, je screenerai ma propre vidéo, tant pis, c'est pas grave. Donc. Voilà. Vous redoutez ce genre de déclaration? Rassurez-vous. La célèbre boutique en ligne de Morlan vous propose de nombreuses améliorations nous soumises aux réglementations commerciales de la citadelle. Que vous souhaitez bénéficier d'une petite hormonothérapie, d'une implantation cybernétique ou d'une xénogreffe génébiotique, Morlan dispose d'une impressionnante sélection d'améliorations, toutes les plus extraordinaires les unes que les autres. Quel que soit votre genre et votre espèce, suivez le lien inclus dans ce message pour passer commande dès maintenant sur le formidable site extranet de Morlan. La disponibilité des produits proposés dépend des réglementations locales, où les produits à base d'éléments zéro sont soumis à des frais d'exposition supplémentaires. Aucune livraison ne sera disponible vers Omega, aucun organe reproducteur Krogan ne sera proposé à la vente. D'autres restrictions peuvent s'appliquer sans préavis. Ok, donc ils proposent de vous faire greffer des plus gros tubs pour ceux qui complexent ou qui en ont une petite, voilà. Mais le point important, voilà, c'est que pour une Asari, tu es loin d'être aussi bien équipé. Ce qui prouve donc ce que je disais, c'est que les Asari
ont un petit truc en plus, ce qui en fait des trappes. Voilà, ce qui fait que ceux en fait qui voilà qui sont avec les Asari en fait, ceux voilà qui rêvent sur les Asari en fait, qui fantasment sur les Asari en fait, ils fantasment sur des futanari, ils fantasment sur des femmes qui ont un truc en plus. Et c'est le genre de surprise en fait auquel ils s'attendent pas, voilà. Ce sont des fous. Comment je peux prendre la screenshot quand même parce que ça me... Tant pis, on va pas s'emmerder. Pas s'emmerder. Parce qu'en fait, ça va prendre sinon le bout d'interface à droite, en fait, ça va cacher le message. Mais bon, nous avons voilà ce petit morceau. Et bien voilà. Ça, on va même pas le mettre dans les archivés, en fait. Ah, j'ai pas détecté. On va pas aller dans les archivés parce que si j'ai besoin de revenir là pour reprendre une screen, pour envoyer, comme ça, je pourrais prouver aux gens voilà que c'est pas bien pour fantasmer sur les Asari. Qu'ils ont une surprise en plus, quoi. Enfin, après, ils peuvent, hein, c'est leur droit, mais voilà. Qu'ils assument dans ce cas-là le fait de ne... le fait d'aimer la saucisse. Alors, PC Cerberus, nous avons fait notre petite enquête sur ce lieutenant Locke et sur son entrevue avec un certain capitaine Vorres. Nous avons récupéré la dernière coordonnée, nous avons envoyé un appareil de navigation, ça doit être transporteur enfermé une cargaison grande valeur, notamment information sensible. Nous souhaiterions que vous retrouviez ce pour vous disposer du truc de reste. Ouh. Les blues, vous avez carte blanche. Ok, carte blanche, on voit. Eh bien écoutez, alors Kelly, dis-moi Kelly, quelle amélioration veux-tu que Shepard fasse greffer? Vas-y, dis-moi tout. Pas celle de Krogan, par contre, ils en rendent pas, ils ont dit. Que puis-je faire pour vous, commandant? Comment ça se passe? Il y a quelque chose que je devrais savoir? Garus est sur des charbons ardents depuis qu'il a reçu un message. Vous devriez peut-être aller le voir, il est à la batterie principale. Grunt a l'air très anxieux, il fait les 100 pas dans la soute. Vous devriez peut-être aller voir ce qu'il démange. Autre chose, commandant? C'est gentil, merci. Ce sera tout. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Waouh. Tellement aimable. Elle a vraiment envie de Shepard, quoi. Hein. Toujours. Bon, écoutez. Grunt est en train de péter un câble. Et. Et Garus a du mal. Garus. Oui, c'est bien, t'as failli m'écraser les pieds avec ça. Merci, c'est gentil. Tentative d'assassinat tué par Normandie, trop bien. On va aller parler à Garrus. Qu'est-ce qu'il a, Garrus? Qu'est-ce qu'il a? Le commandant a constitué une équipe impressionnante. Je n'avais jamais travaillé avec autant d'espèces. Une vraie petite armée. Qui sait? On a peut-être une on chance. On n'a pas qu'une chance, on a de bonnes chances même. On va leur péter le cul. Garrus. Le calibrage, il est fait. Shepard, ça me fait plaisir de vous voir. J'aurais peut-être besoin de votre aide. Si Denis, vous vous rappelez, celui qui a vendu mon équipe, j'ai retrouvé sa trace. Il y a un spécialiste à la citadelle, un certain Fade. Il n'a pas son pareil pour faire disparaître les gens. Or, figurez-vous que Sidonis a été vu avec lui. Je m'en occupe. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'a fait Sidonis exactement? Il a rencardé les mercenaires. Il leur a donné l'emplacement de notre base. Il a prétexté un contrat bidon pour me faire sortir et il a laissé les mercenaires attaquer mon équipe. Mes hommes ont été pris au dépourvu. Le temps que je revienne, il n'y avait que deux survivants, qui sont morts peu après. Mes 10 hommes sont morts à cause de lui. Je m'en occupe. Où est-ce qu'on le trouve, ce Fade? J'ai organisé une rencontre dans un entrepôt près du marché au néon de Zakera. Merci, Shepard. C'est chic de votre part de prendre le temps de m'aider. Allez. Le dénommé Sidonis sera donc bientôt terminé. Nous allons prendre soin de Sidonis. Nous allons prendre les mesures appropriées à son sujet. La solution finale sera employée pour résoudre la question Sidonis, si vous voulez. Allez, le cargo. Allez, dis-moi, Grant, qu'est-ce qui te tracasse?
Ne commence pas à défoncer les caisses en métal par contre. Sinon je te les fous dans le cul. Ça te fera un anus carré. Et t'as pas envie que ça t'arrive, crois-moi. Chambers m'a averti que vous étiez en train de tout saccager. Un problème ? Je me sens mal dans ma peau, Shepard. Nerveux. J'ai envie de tuer, à main nue. Plus que d'habitude. Comme si je n'avais pas le choix. Comme si je voulais... Je ne sais pas. Arrête de casser tout. Ah, vous voyez ? Qu'est-ce qui me prend ? Vous êtes un Krogan. Écoute, c'est l'adolescence, c'est rien. Ça va te le faire, c'est les hormones, tout ça, bon. On t'emmènera voir une pute et puis ça ira bien, ça va se calmer, t'inquiète pas. Un Krogan pur doit être plus agressif que la moyenne. Ça ne me paraît pas particulièrement surprenant. Normal ou pas, peu importe. Moi, je ne le suis pas. Je ne suis pas habitué à ce bruit. Je veux me contrôler. Quand on avance, quand on se bat, je suis concentré. Mais ici, mon sang hurle, mes plaques me démangent, et même vous, vous n'êtes que du bruit. Je suis né en cuve, qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne sais pas ce qu'on peut faire, Grant. Il faudrait qu'on aille en parler à quelqu'un de votre espèce. La plupart des Krogan hors monde sont des guerriers. Les docteurs ne quittent pas notre planète d'origine, Tuchanka. Je ne peux pas vous demander d'y aller. Je vais me contrôler. Allons sur Tuchanka. Joker peut nous amener sur Tuchanka. J'ai besoin que tous mes coéquipiers soient au top. Merci, Shepard. Tout ça ne me plaît pas. Je veux péter les plombs par choix, pas par contrainte. Voilà, nous irons t'emmener voir un psy. Par contre, voilà, cette vitre, je veux qu'elle soit réparée, par contre. Hein. Tu me la retapes, hein, attends, la vitre. Hein. Je veux qu'elle soit comme neuve, hein, parce que... Ce vaisseau a coûté cher, je veux pas que tu t'amuses à tout casser là comme. Kenneth, ça donne quoi les nouveaux boucliers sur ta grille de répartition énergétique ? Pas grand chose. Ça pompe assez peu finalement. Ça doit venir des sous-systèmes de condensateurs intégrés. Ça veut dire que sous le feu, le boost au bouclier ne va pas tenir longtemps ? Je me trompe ? Non, t'as raison. Ils sont conçus pour les attaques éclairs, pas pour la guerre d'usure. Bah, c'est les boucliers et en même temps, c'est conçu pour ça. C'est juste conçu pour prendre un coup vachement cher et puis le reste c'est au blindage quoi pour la suite. Alors voilà, petite passerelle. Alors, Kelly, qu'as-tu à me dire ? Vous n'avez pas de message, bien, commandant. Bonne chose. Alors, sauvegarder. On va écouter. Carburant, j'étais allé déjà, je suis amnésique. Je suis depuis environ 30 secondes. C'est tout à fait normal. Bref. Le saut cosmologique. La rosette a été complètement. Oula, Omega n'est pas entièrement découverte, ils ont rajouté un truc. Bon, c'est pas grave, nous on va aller à la citadelle pour faire des emplettes et des Garus. Parce que j'ai de la merde à acheter. J'ai de la merde à aller acheter de toute façon. Alors on va aller les Garus. On a Sidonis à exterminer. Et puis nous allons. Dépenser crédit et j'espère qu'il y aura des armes, des armes, des armes, des armes. Pétoire. Que je peux utiliser par contre, hein. Pas des fusils à sous, des fusils à pompe. Alors, nous allons en Égarus déjà. Il faut des Égarus. Qu'est-ce que je pourrais en venir ?
Maestro Tali. Tali aussi. Garus Tali, c'est mon commando de base. De toute façon, c'est mes deux. Voilà. Alors, les enfants. Vous sentez bien? Allez. J'ai trouvé plusieurs mentions d'un faussaire appelé Fade dans les rapports criminels du SSC. Peut-être s'agit-il d'une piste à explorer. Merci, Léa. Bon, vous deux, ne balisez pas. Hein, vous connaissez la citadelle, vous y êtes emmené quelques années. Bon, c'était il y a 2 ans dans le lore, mais bon. Des manifestants ont une nouvelle fois tenté d'éteindre la flamme du souvenir du centre Shepard de Torfan. À la demande expresse de l'amiral Hackett, les autorités n'ont procédé à aucune arrestation. Lol. Pas de munitions. Il manque toujours 90 munitions pour le laser. Moi, c'est. Alors, d'abord les emplettes. Plus important. Dépenser le fric d'abord. D'abord, on dépense le fric, ensuite, on verra le reste. Allez, soyez sympa, quoi. J'ai besoin d'aide. C'est pour un dîner en amoureux. Si vous insistez. Tenez, voici une marinade de miel à sari confectionnée dans un monastère Ardat Yakshi par de pauvres âmes torturées. Cela manque un peu de subtilité pour le palais d'un vrai connaisseur. Mais ce n'est pas un problème pour vous, n'est-ce pas? Merci, vous me sauvez la vie. Ok, ah, il n'y a plus... Ok, donc lui voilà le café. Il paraît que vous êtes la meilleure épicerie fine du secteur Zakera. C'est faux, nous sommes. C'est faux, ok. Net, je suis Emily Wong. Le SSC a signalé la disparition de Danaria Cléris, employée de maintenance dans le secteur de Kitoy. Les faits se sont produits durant son travail à la 3e ronde. Dans le cadre de ses fonctions, elle s'était approchée de la zone des veilleurs. On craint que ces derniers n'aient emmené son corps dans les cuves de protéines pour le recycler. Mais les veilleurs, il y a déjà eu des incidents avec eux et personne ne s'est jamais dit que ça pourrait être une bonne idée, ces conneries. Que ça pourrait être une dangereuse les laisser. Non, mais la dernière fois ils sont morts, les poissons. Oh, on peut les réduire. Bon, les poissons, je vais pas les acheter tout de suite parce que ça sert à rien, ils vont crever de toute façon. Il faudra un distributeur automatique. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai parlé à un jardinier du Présidium. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de poissons dans les lacs. Quoi? Tiens, tu vois. À quoi ça sert toute cette flotte? Ici, on n'y met pas quelque chose à manger. Décidément, je comprendrai jamais les aliens. Merci de lui avoir dit, depuis ce matin qu'il me bassine avec ça. Le gros débat philosophique. Est-ce qu'il y a des poissons dans la flotte du lac? C'est vrai que j'avoue, il n'y avait peut-être pas à bouffer dans l'eau. C'est con. Moi aussi, je serais tenté. Ça ne vous manque pas, ces grandes discussions qu'on avait dans les ascenseurs? Non. Allez, vous vous rappelez? On vous demandait tous ce que ça faisait de vivre dans la flotte nomade. C'était un partage de culture. Cette conversation est terminée. Parlez-moi encore de votre système immunitaire. J'ai un fusil. Peut-être plus tard. Ah, je les adore. Oh oui. Trop bien. Ça qui est bien, c'est les petits dialogues. Ils ont fait l'effort de faire des bouts de dialogue entre les personnages, comme ça j'aime bien. Tes équipiers s'engueulent, tu vois, tu sens que c'est vivant. Alors, qu'est-ce que tu me vends? C'est assez cher, quand même. Mitraillette de dégâts, peut-être servir. Putain, mais c'est cher, mais... On peut pas négocier les prix, là. Humain. J'apprécierais une ristourne. Excusez-moi. Quoi? Écoutez, je sais bien que nos races ne sont pas comme Q et Schmise. Vous avez tué mes frères. Votre amiral Hackett a laissé mourir le conseil. Ça, je peux rien y faire. Par contre, je peux empêcher les guettes d'attaquer à nouveau. Vous chassez les guettes? Les guettes, les pirates, les mercenaires. Partout dans les systèmes Terminus. C'est un gibier dangereux. Je n'aime pas votre espèce, mais je veux bien aider les ennemis de mes ennemis. Je vous fais une remise. Si ça s'ébruite, je n'irai en bloc. Merci. Foutez le camp d'ici avant que je change d'avis. Yes, il y
mortelle. Parce que c'est un peu cher. 60 000 crédits, faut pas exagérer les conneries non plus, quoi. Mitraillette, dégâts, oui, mais faux. Ça pourrait servir. Parce qu'effectivement, voilà, quoi. Moi, je dis qu'on devrait s'engager dans les soleils bleus. Eux, au moins, et ils nous paieraient le matos. Sauf qu'ils ne voudront jamais de nous si on débarque les mains vides comme deux crétins. On a besoin d'une arme pour commencer. Au hasard, un fusil à pompe, c'est ça? Bah, sinon, ce que vous faites, ça... Vous voulez un conseil? Alliance Corsair. Niveau combat, c'est vachement réaliste, mais ça reste bien fun. Et on peut l'installer sur un Omnitech. Bien, sur un Omnitech. Y'a pas un moyen de faire du fric? Bah, si vous voulez, j'ai pas un gros clochard, en fait, donc moi... Vous voulez pas, je suis un peu paumé. Niveau, je suis 28, donc on va essayer. On va essayer de voir ça. Je sais pas où je suis censé être, hein. Moi clairement. Hop. Ah oui, avec les Chinois là. Et la Chaimasse ! Et la Chaimasse ! Ça fait toujours autant rire. Cet accent, mais sur caricature. Ça m'a l'air d'être là. Non mais... Attendez, j'ai compris. Il m'a envoyé ici pour se débarrasser de moi. Ça, je ne suis pas au courant. Ça fait 2 ans que j'essaie de me faire rembourser. 2 ans. S'il croit que je vais abandonner maintenant... Coucou. Je n'imaginais pas Fate comme ça. Faut pas se fier aux apparences. Alors, lequel d'entre vous veut disparaître? Je cherche plutôt à faire réapparaître quelqu'un. Mais je ne propose pas ce genre de service. Fais une exception. Pour une fois. Bon sang, vite! Tirez! Tirez, triple idiot! Trop lent. Ah, quoi bon? On cherche un client à toi, je te conseille de coopérer. Attendez, ce n'est pas moi que vous cherchez, je ne suis pas Fade. Je le savais. Alors tu aurais peut-être intérêt à nous dire où le trouver. Oui, bien sûr, il est dans le quartier industriel. Il se planque dans la vieille fonderie de préfabriqués. Je vois où c'est. Il y a pas mal de mercenaires avec lui. Des soleils bleus. Arkin croit qu'il le protège. Arkin, je sais plus qui c'est. Les soleils bleus. Qu'est-ce que les soleils bleus viennent faire là-dedans? Ils utilisent ces services pour noyauter les sociétés et les organisations de la citadelle. Le fumier. Il se sert du SSC pour aider ses pourris. Non, non, non. Enfin, pas vraiment. Il s'est fait virer du SSC. Il y a quelques mois, mais il connaît toujours les rouages du système. Intéressant, mais ça ne change rien. On doit toujours passer par lui pour retrouver Sidonis. Je suis impatient de revoir Arkin. Je suis sûr qu'il sera ravi de nous revoir, tous les deux. Il faut qu'on aille à la station de transit. De là, je peux nous conduire à lui. Alors, je peux partir? Oui, mais si on ne trouve pas Arkin, on repasse te voir. Ah, ok. Voilà. 9 pragmatismes. Allez, 2 Krogan abattus, direct. Alors, par contre, ça me dit. Voilà, toujours pas où. Ah, donc, j'allais trouver s'il n'y a pas des boutiques, des trucs, où je pourrais pas aller acheter de. Bonjour, c'est pour un échange. Je viens pour le convertisseur d'Omnigel. Désolé, vous devez faire erreur. Non, c'est une connerie. Qu'est-ce que tu vends? Que dalle. Merci quand même.
Oui, c'est juste que c'est mon bébé. Jacob, putain. C'est-à-dire que Jacob a fait un bébé à une dame et l'a abandonné, quoi. Voilà, me gaver. Je n'arrive plus à me rappeler si Viranis voulait un dissipateur de modulateur de Mugel ou un module de dissipateur. Allez, une quête de plus. Ah oui, livrer le colis de celui qui liche. Ah oui, l'autre là sur le Vidouillator, là, bref, je sais plus quoi là. Sur Omega. Le Galarien qui voulait que je livre des colis. Je m'en souviens. À moitié. Vous avez déjà mangé des lamelles? C'est un plat typique de la région. Salutations, être humain. Vous trouverez de nombreux vaisseaux excellents en vente ici. À peine utilisés par... Alors... J'ai plus de fric, putain. J'ai pas assez de pognon, ça me gave. Ça me frustre. Alors. J'ai 42 000. Je cherche un clochard. Un clochard. Il me faut plus de fric. Il me faut plus de pognon, mais beaucoup plus, quoi. Massivement plus. C'est pas rapide. Garus, oui. T'allies avec nous, oui. Eh ben écoutez... Bien, ça. Coucou. Le voilà. Shepard. Ne restez pas plantés là. Arrêtez-les. Arrêtez-les. Cours tant que tu veux, Harkin, on te retrouvera. La question étant de savoir en combien de morceaux. Hein. Contact. Attendez, attends, non, Garus, va te planquer. Attention. Les yeux, vise les yeux. C'est gentil. Vise les yeux, vas-y. Oh, tu es tendre, toi. C'est bon, nickel. Voilà. Écoutez. C'est bon, munitions actives, très bien. Attendez, y'a pas des munes, là ? Munitions. Quoi leurs affaires eux. Début du protocole de localisation. Les grosses caisses quoi. Bref, tout ce que vous pouvez foutre en fait.
Ah bon? Il est sorti, il s'est fait. Il a sorti la tête et il s'est fait débop. Excusez-moi. Bah écoute, je t'excuse. Laisse passer. Allez, piquons du fric. Laissez-moi piquer du fric. C'est mon instinct, c'est ma culture. C'est que c'est bien. Arkin est là, quelque part. Je sens sa présence. Plus à ce point-là. Donc, plus le centre à 200 mètres, c'est que le mec il pue, quoi. Genre, le mec c'est pas lavé depuis 3 semaines. 4. Laissez-moi. Tiens, voilà. Ça prendra à m'empêcher de piquer du fric dans les armoires. Ma spécialité, ce genre de merde en fait. Putain, nickel. Pour l'arme lourde, c'est bien. Alors, on va essayer de retourner sur nos pas et de reprendre l'armoire qu'on avait voulu prendre là. Voilà. On m'a rabouté pendant que je le faisais, que ça a niqué les trucs, mais je sais pas. Il y a un route à piquer là, parce que. Enfin, j'ai de quoi racheter une deuxième arme à l'autre là, mais c'est pas énorme, quoi. Ça reste beaucoup de crédit derrière. Je suis un peu un gros SDF en fait, moi. Faut le savoir, hein. C'est écrit dans mon livre. C'est proche du but. Alors. Ça veut dire qu'elle considère le truc comme son môme, mais qu'elle l'envoie quand même sacrifier quoi.
Patrouille de combat activée. Une surcharge. Voilà. Ouais, ça va. Bon bah le Vémir on l'a buté sans utiliser d'armes lourdes, c'est bien. Parce que j'aime pas gaspiller les armes lourdes en fait. Les munitions sont trop rares. Je rapide tout ce qui bouge là maintenant, ça y est. Le moindre petit crédit qui traîne, faut que je le ramasse. Je veux pouvoir tout me payer en fait, en mode je fais ce que je veux. Ben voilà quoi, c'est toi, tu sais. De kit médico parce que bah ça quand j'en prends et que je suis plein ça me fait du fric. Alors on a réussi ça, très bien. 1200 crédits, c'est pas énorme. Ça de prix quoi, le chaque crédit en plus de toute façon c'est. Qu'est-ce que trafic Arkin? On sait pas, mais tout ce qu'on sait c'est qu'il avait des choses à piquer. Voilà, du fric, il avait du fric à piquer. Aussi. Nickel. Alors comme ça, Arkin est passé du côté obscur. Ça a toujours été un emmerdeur fini. Mais je ne vais pas le laisser faire. S'il ne coopère pas, il s'en souviendra pour le restant de ses jours. Oui, allons trouver Arkin. Inutile de lui laisser le temps de se préparer. Allons-y. Je vous suis. Ne t'inquiète pas, Garus. S'il fait de la merde, on tabassera ensemble. Oh, du pognon. Il était simple celui-là. Il y avait quoi à la sortie? Je vais prendre ça. Cool! Un upgrade pour le fusil de précision, je l'utilise pas mais c'est pas grave. Shepard, je me suis connecté au scanner de l'entrepôt. Les caisses placées dans les transporteurs en surplomb sont piégées pour exploser au largage. Bon à savoir. Regardez. Ça va? T'as mis le pied sur un truc qui vibrait? Tu sais, le canard en plastique, faut le lâcher, hein. S'il tremble, il faut le lâcher. C'est pas fait pour aller dans le bain. Enfin, on se comprend quoi. C'est ce que je veux dire, j'espère. Bon, il n'arrive pas. Il ne sait pas monter d'obstacle. Ah, s'il est du mal. Il est un petit peu quoi. Il est un petit peu un manche à balai dans le cul, je sais pas, hein, des fois ça. Oh, la tapade. Il y a un truc dont j'aurai dans la vie, c'est qu'on m'empêche de. Garus, oh putain, ah, tout le monde est mort, ok. Ok. Mais je mets tout à côté en fait, c'est ça le problème aussi.
C'est ça une partie de mon problème en fait. Pas t'enfuir devant moi, Ebbe. Attends, t'es revenu, t'es revenu. T'as pas pris le médicament, j'espère. D'hacker le PDA en espérant que ça fasse coup, pas le coup de non t'as essayé ça a foiré gna gna, voilà bref toi tu sais hein. Putain fais chier, voilà ça a foiré, ils ont déclenché un échec en fait et de ce fait là ça fait que je peux pas le réhacker. Ces idiots m'ont coûté du fric, ils m'ont coûté du fric, ils m'ont empêché de prendre qu'il y avait du fric là dedans. Soyez maudits, on m'avait coûté du fric là. Là je suis pas content par contre là. Merde. C'est pas grave, ça prend des tailles. Vous croyez vraiment pouvoir me faire oui. Des balances, des balances. C'est pas grave. Il est à finir. Vraisemblablement. Ah bon ? Aucune chance, tu dis. Tu surveilles tes paroles, mec. Ne dis rien que tu pourrais regretter. Système de détection des alliés désactivé. Ne dis rien que tu pourrais regretter. Donne-moi plein de fric. C'est les infos qu'on te dit. Vous avez failli m'avoir. Failli seulement. Alors, Fade, tu n'as pas réussi à effacer ta trace ? Garrus, du calme. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je recherche quelqu'un. Alors, je suis sûr qu'il y a moyen de discuter. Ça devait faire mal, ça. Vous feriez peut-être mieux de nous dire ce qu'on veut savoir. Peut-être. Vous ne m'avez toujours pas dit ce que vous voulez. Tu as aidé un de mes amis à disparaître. Je veux le retrouver. Il va me falloir un peu plus d'infos que ça. Il s'appelait Sidonis. Sidonis Alcoura. Un Turien qui venait... Je sais qui c'est, tu peux oublier tout de suite. Est-ce que ces infos en valent vraiment la peine ? Je ne divulgue pas les infos de mes clients. C'est mauvais pour les affaires. Je connais autre chose de mauvais dans les affaires. Avoir la nuque brisée.
C'est bon, arrête! Les systèmes Terminus, ça vous change un homme, hein, Yarus? Non. Mais Sidonis m'a ouvert les yeux. Tu vas m'organiser une entrevue. Rien que ça. Ouais, c'est moi. Il y a des chances que quelqu'un ait retrouvé ta piste. C'est pour ça que je t'appelle. J'envoie un agent. Où est-ce que tu veux qu'on se retrouve? Ça marche. Je lui dis de t'attendre, ouais. T'inquiète pas, je m'en occupe. Bon, il a mordu à l'hameçon. Il vous donne rendez-vous devant le Parsec, en milieu de journée. Bon, eh bien, sur ce, je vais vous laisser. Pas question. Tu es un criminel, Arkin. Et alors quoi, tu vas me tuer? C'est pas ton style, Garus. De tuer? Non. Mais je peux te ralentir. Histoire que le SSC retrouve ta trace. Enfoiré! Vous vous en tirez bien, Arkin. Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Sidonis a intérêt à être là. Sinon, je reviens terminer le travail. Voilà. On va laisser tirer parce que de toute façon. C'est qu'un genou. Ça va, ça se répare, surtout dans le futur. Arkin est une véritable plaie. On n'aurait pas dû le laisser filer. Il méritait d'être puni. C'est bon, il est puni. Tu lui as niqué une rotule. Bon, c'est assez facile à réparer dans le futur avec le Medigel, mais ça fait qu'il va laisser du sang partout. Que c'est pas le voir. Il va se faire choper, le mec. Oubliez-le un peu. C'est le SSC qui va se charger de lui. Ouais, ouais, sans doute. Merci pour votre aide, Shepard. À votre place, je ferai pareil. J'ai eu un bon professeur. Passons aux préparatifs. D'ici, je pourrais l'abattre sans problème. Vous voulez que je fasse quoi? Faites-le parler, ne me bouchez pas la vue. Quand je l'aurai en ligne de mire, je vous avertirai. Faites-moi un signe quand vous êtes prêt, j'ouvrirai le feu. Mettez-vous en place, il ne va pas tarder. Un assassinat, c'est bien ça. Shepard, vous m'entendez? 5 sur 5. Bon, le voilà. Faites-lui signe et engagez la conversation. Ah, oh, il vient direct, le mec, il se méfie même pas, putain. Finissons-en. Vous êtes dans ma ligne de mire. Décalez-vous. Ce sera pas long. Vous êtes un agent d'Arkin? Je ne me souviens pas de vous. C'est ça. Faites-le parler encore quelques secondes. On m'avait dit que Arkin était un pro. J'espère pour lui que c'est la dernière fois. Ça, vous pouvez en être sûr. Hein? Oh merde. Un prêté pour un rendu, Sidonis. Bon, c'est fait. Net et sans bavure. Beau travail. Merci de votre aide, Shepard. Partons d'ici. Je ne tiens pas à m'éterniser. Je vous suis. Ah voilà, c'est bien, écoute. Et bah oui, voilà, du fric. Un Cerberus, c'est bien. Le fric, c'est bien, j'aime bien le fric. Yes. Allez, et en plus de ça, notre petit Garus, là, il
va être plus fidélisé, comment dire, il va être plus, plus fiabilisé. Apparemment, le SSC enquête sur la mort de Sidonis, Shepard. Pour l'instant, ils n'ont aucune piste. Quel dommage. Quel dommage. C'est nickel, ça, voilà. Sagarus, c'est content, voilà. Je lui ai pas fait foirer son assassinat, parce que, attends, effectivement, Sidonis le méritait. Il l'a dénoncé à des mafieux, puis quoi encore, voilà. Pas de ça avec moi. Alors, munitions à distorsion, oui, ça pourrait être bien, ça. Acheter un grade, oui, ça pourrait être pas mal. Le prochain, on va le laisser, non, effectivement. Yes. Que dalle, que dalle, très bien. Nickel, voilà. Des munitions à distorsion. Munitions lourdes, oh oui. Alors, écoute, 58 minutes pour l'épisode, c'est bien. On a du fric avec ça. On est à 60 000, on va pouvoir acheter un deuxième truc, ça va être bien ça. Peut-être pouvoir aller acheter une nouvelle pétoire si je peux. Enfin, une nouvelle amélioration de pétoire, je veux dire. Les nouvelles pétoires, on les trouve pas, en fait, on les loot au pif, enfin, c'est chiant quoi. Vraiment okay. Écoutez, il me faut juste quelques épices. Dextro ou sinistro à juste quelques épices. J'ai pas du tout laissé la reine Rachni s'enfuir hein, dans le 1. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je vois pas du tout. Je ne vois absolument pas de quoi vous voulez parler. C'est bizarre. Oh là là, tu penses que j'ai le fric pour tes conneries, mec? Tes prix sont salés quand même. Hein. Pas de la pub. Shepard, les temps sont durs, nous le savons. Les archives de la station indiquent que vous avez gagné seulement 5 000 l'année dernière. Si vous avez besoin d'une avance sur votre salaire dû, erreur, date introuvable, allez voir l'Edcor prêteur sur gage. Bénéficiez d'un crédit instantané contre vos appareils électroniques, pierres et métaux précieux, tests génétiques et intelligence virtuelle. Pas de chèque, pas de question. Nous n'avons besoin que d'une pièce d'identité. N'attendez plus. Waouh, trop bien, vous pouvez vous endetter, trop bien, c'est génial. Je te fais confiance, Michael. Qu'est-ce que tu choisirais, toi? Je ne sais pas. On devrait peut-être poser la question au premier venu, non? Je vais prendre l'immunostimulant et un verre. Trop bien, hein. On peut s'endetter avec des crédits, c'est génial. Fantastique. N'oubliez pas les enfants. Conseil pour la vie de tous les jours, évitez les crédits à tout prix. Ça peut paraître séduisant à cause du manque de trucs à rembourser en court terme, mais ça vous flingue sur le long terme. Et très vite, vous détruisez le pouvoir d'achat en fait. Surtout qu'en plus avec les taux d'intérêt, ça fait qu'au final vous aurez payé plus. Il vaut mieux attendre plus et payer comptant. Parce que comme ça vous évitez les intérêts. Alors, sinon. C'est le poisson. Quel niveau? C'est des hauts niveaux, faut que j'aille alors. Faut que je prenne un ascenseur. Ascenseur, ok. Très bien. C'est le plus bas niveau alors. Bah allez, le jubi. On va voir ce qu'on va trouver. Faut que j'en trouve au marchand d'armes turien là et que je vais racheter une nouvelle amélioration. Parce que toutes les améliorations que je peux acheter, faut que je les obtienne. Hein, parce que comme ça au moins je pourrais dépenser les ressources.
et surtout bah, gagner plus d'occasions d'améliorer les armes, tout ça, bref. Plus grande efficacité, quoi. Alors, on va emmener Garus, c'est-à-dire emboîté. Allez. Venez danser avec Shepard. Oula, Garus regarde ça derrière, désespéré. À faire dans les chiottes, c'est juste un mec qui pisse. Ok, putain, ils sont grands leurs chiottes, bordel. On va prendre un verre. Allez, qu'est-ce que ce sera? Servez-moi ce que vous avez de plus fort. Pas de problème. Allez, ça rappellera des souvenirs. Tiens, c'est... C'est vert. Et ça va vous mettre KO en moins de 2, sauf si vous êtes dextro-ADN comme moi. Là, ça va vous tuer. Autre chose? Ça suffit pour l'instant. Si vous changez d'avis, faites-le moi savoir. Ouais, j'ai peur, dit tiens, l'alcool... Grâce au robot. Ah, c'est lui la marche d'arbre là. Dis-moi tout, vas-y. Alors, fusil de précision, pistolet lourd. Pistolet lourd, ça me sert plus, moi, personnellement. Je vais prendre ça, on ne sait voilà, jamais. Nickel. Tu crois pas que les soleils bleus ont des troupes spécialisées? Genre, un groupe de soutien et un groupe de combat rapproché? Tu vas encore me tanner avec ton fusil à pompe, c'est ça? Ouais, j'avoue, c'était un peu le but. C'est très bien les fusils à pompe. Ok, pas de quête, très bien. On va retourner en Normandie alors. De toute façon, j'ai plus d'argent. J'ai 18 000. Là, je suis un gros clochard fauché, SDF, tout ce que tu veux, quoi. J'ai plus une pète de thune sur moi, de toute façon, donc ça va pas servir à grand chose. C'est bien, on a acheté deux améliorations au final. Alors, Zakira, Normandie. Vous devriez aller voir Tali. Elle n'a pas l'air. Oula. Dans son assiette. On va aller la voir. Dans son assiette. Tu penses qu'elle a chopé un rhume? Parce qu'elle, voilà, quoi. Comme c'est une carienne, si elle chope n'importe quoi, elle risque d'en crever, quoi. Donc. 5000 de platine. J'ai cru que c'est 50 000, j'ai eu peur. Non, 5000 de platine, ça va, c'est pas très bon. C'est pour ça qu'il va me niquer, ça va. 25 000 de platine. Palladium, 25 000. Ok. Ça commence à faire cher, vos merdes. Vos histoires, ça commence à vous coûter cher, vos conneries, quand même. Vous commencez à vous rendre compte ou pas? 25 000?
revient de trucs, j'ai besoin de farmer, ça continue et je vous merde là. Ok. Voilà, ok, très bien. Pistolet lourd, critique. Oula, que se passe-t-il? Bon, c'est bien, on a mis les améliorations de pétoir, là c'est bien. Voilà. Commandant, vous devriez aller voir Tali. Elle n'a pas l'air dans son. Pas de soucis, j'y vais. Salle des machines, allez. Allez Tali, dis-nous ce qui va pas. Enfin, on ira d'abord voir Grun parce qu'il attend plus longtemps, puis sauf si c'est vraiment un truc vital quoi, mais. Enfin bref, on verra. Parce que ça dépend. Hein. Allez Tali, dis-nous tout. Qu'est-ce qui se passe? Shepard, vous tombez bien, j'aurais besoin de votre aide. Je viens de recevoir un message de la flotte nomade. La commission de l'amirauté m'accuse de trahison. Oh les cons. J'ai peur, Shepard. Mais c'est de la folie. Ceux qui vous connaissent savent que vous ne trahiriez jamais les vôtres, Tali. Je ne sais pas. Ils ne porteraient pas d'accusation aussi grave si les preuves n'étaient pas flagrantes. Mais merci. J'apprécie votre confiance. Mais quelle preuve? Dis-nous, c'est quoi leur preuve? Ils ont vu un deepfake avec ta gueule mis sur la tête de Emma Watson, c'est ça? Ou ça se passe comment? Hein? Genre un qui a tourné une sextape et puis qui a fait un deepfake en mettant ta gueule à la place, c'est ça? De toute façon, avec les masques, elle se reconnaît pas. Quelles sont les charges? C'est parce que vous travaillez pour Cerberus? Je ne travaille pas pour Cerberus. Je travaille pour vous. Et on m'a accordé de servir à nouveau sur le Normandie. J'ignore totalement de quoi on m'accuse. Je m'en souviendrai si j'avais trahi la flotte. Bon bah, on va leur péter le cul alors. Que se passe-t-il quand un Carien est accusé de trahison? L'accusé est entendu en audience. Et les membres de la commission de l'amirauté font office de juge. Mon père siège à la commission. Il devra se récuser. Je n'ose pas imaginer dans quel état d'esprit il est en ce moment. La sentence pour trahison est l'exil. Si je suis condamné, je ne pourrai jamais revenir. Ouais, oh, mais c'est bon, je t'aiderai. Si t'es sous de la flotte, c'est bon. Je te foutrai un sac de couchage dans la salle des machines et puis c'est bon. Quoique non, pas dans la salle parce qu'il y a Jack à côté, elle est dangereuse. Mais bref, tu vois ce que je veux dire, quoi. Hein? On a de la place dans le vaisseau, je veux dire, on peut en loger du. Dire, le vaisseau doit avoir au moins 400 mètres carrés habitables, le truc. Pas bien bricoler un lit en plus dans un dortoir. Hein. Bon, allons rejoindre la flotte. Je m'apprêtais à réserver une place sur un autre vaisseau. Je ne pensais pas que vous trouveriez le temps de m'aider. Merci, Shepard. Je vais programmer le Normandie avec les coordonnées actuelles de la flotte. Les amiraux doivent nous attendre. Bon, par contre, on ira d'abord voir Progrunt, hein, vu que les amiraux, là, c'est des grains de papier. Tu sais qu'on partage le pont avec un Krogan? Ah, mais c'est la meilleure. Ah oui, si c'était quelqu'un Krogan, vous partagez le pont avec beaucoup d'espèces, vous savez. C'est des mecs, faut bien comprendre que mon vaisseau c'est devenu l'Arche de Noé. Hein, il y a un peu de tout. Bon, ça attendra un petit peu les histoires de l'amirauté là, parce que bon, on a un Krogan qui a besoin d'aller voir un psy d'abord. Donc. Kelly, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Au rapport. Que puis-je faire pour vous, commandant? Il y a quelque chose que je devrais savoir? Rien pour l'instant. Autre chose, commandant? Ce sera tout. Si vous avez besoin de quelque chose, je reste ici. Allez, zou. Terminal PV. Message non lu. Très bien. De vue performant. Ok, très bien. J'ai oublié ce que je voulais faire. J'ai pas compris, j'ai oublié. La bulle d'air dans le cerveau, la bulle d'air dans le cerveau, Joker, dis-moi des choses. Commandant? J'imagine que tout est en ordre par ici. Pour l'instant, ça va. Je me suis fracturé le pouce en coupant le son. Mais là, au moins, on se comprend. Tu m'as dit ça trois fois depuis le début de ce let's play. C'est tout pour l'instant. T'as combien de pouces? À bientôt, commandant. T'as combien de pouces? Oui, mais combien de temps ça va être réparé à coup de médigel?
pas bon. Bon. De toute façon, 1h05, c'est une bonne durée d'épisode, je pense. On va sauvegarder et puis on... Regardez, puis on va arrêter cet épisode là. Je veux dire, ça fait une bonne durée. Je vais donc vous dire à bientôt et à la prochaine pour les prochaines vidéos.